Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un God Mode en multijoueur cette fois-ci. Mais je vous le présente pour une raison très particulière parce que ce glitch va vous permettre de réaliser le secret de la chambre rouge sur la map Alcatraz dans le mode Rebirth Island. Alors pour réaliser ce glitch, c'est très simple, vous avez juste à rentrer dans un hélicoptère, donc il faudra que vous soyez le premier à avoir un hélicoptère. Ensuite, il faudra vous suicider avec l'hélicoptère, mais en changeant de place. Donc genre, vous êtes conducteur, vous foncez contre un mur, vous allez en convoyeur, et dès que vous êtes en convoyeur et que vous sentez que vous allez vous cracher et que l'hélico il va exploser, à ce moment-là, vous rechangez de place, et là, ça va faire comme si vous prenez la Gatling dans vos mains, et puis après, vous mourrez. Et là, quand vous allez vous réanimer, vous allez voir, vous allez être invincible et invisible. Alors si vous appuyez sur triangle, vous verrez que vous avez la Gatling en main, enfin elle sera invisible, vous ne pourrez pas tirer avec, mais vous ne pourrez pas l'échanger contre une arme. Mais vous aurez votre arme principale, votre arme secondaire, mais vous aurez juste la Gatling invisible dans vos mains aussi. Alors pour voir si ça a bien marché, en haut à gauche sur votre map, vous ne vous y verrez plus. Et en plus de ça, si vous rentrez dans un véhicule, genre un quad comme dans la vidéo, bah vous verrez que le quad se conduit tout seul. En fait, vous êtes complètement invisible et complètement invincible. Bien entendu, vous pouvez vous suicider. C'est la seule façon de se tuer. Alors si vous vous suicidez, après quand vous réapparaissez, vous n'êtes plus en God Mode. Ça annulera le glitch. Alors je vous conseille de faire le glitch uniquement pour réaliser le secret. Ne commencez pas à tuer tout le monde ou ne commencez pas à faire des top 1 en illimité parce que vous pouvez très bien vous faire signaler et vous faire ban. Et en plus de ça, c'est vraiment de l'anti-jeu, donc c'est vraiment pas cool pour les autres joueurs. Après, vous faites ce que vous voulez. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.